Salut les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo de peinture qui cette fois-ci va traiter du pantalon de notre figurine. J'espère que la première partie vous a plu. Il y a eu des petits défauts, notamment le fait que je filmais pas encore très bien dans le cadre de la caméra. Ça me demandait un petit temps d'adaptation quand même parce que c'est pas simple de peindre et de filmer en même temps. Je me suis permis de reprendre aussi un petit peu la figurine de mon côté, notamment au niveau du visage, parce que en général j'aime bien passer un peu de temps quand même sur les visages. Si je le fais en off, c'est parce que le but c'est quand même de vous faire des vidéos qui dépasse pas 30 minutes, enfin qui reste dans l'ordre de 30 minutes, et c'est simplement les mêmes techniques que ce que je vous montre pendant les vidéos, mais on va dire en y passant plus de temps. Mais le but étant aussi de rendre la figurine à l'association des langues de jeu, faut qu'elle soit quand même assez jolie pour qu'on puisse en profiter et jouer avec. Voilà, donc je vous dis bonne vidéo et à tout de suite. Alors, les amis, pour la deuxième partie de notre figurine. Donc cette fois-ci, je vais commencer par, pour le jean, commencer par avec ce bleu-là, du Altdorf Guard Blue. C'est une espèce de bleu assez neutre. Je me demande si j'ai pas faire plus foncé. Tiens, je peux faire plus foncé à vous proposer. J'aime bien commencer par des couleurs assez foncées en général. Voilà, on va commencer par ça. Du bleu marine foncé de Valero. Alors... désolé pour la mise au point est vraiment très, comment dire, très précise, donc il faut vraiment que je vous montre les choses à un cadre assez précis, c'est histoire que vous puissiez voir vraiment nettement la figurine. Donc il faut que je fasse encore plus attention, parce que je me suis rendu compte dans la dernière vidéo que c'était pas super net, donc on essaie d'améliorer la technique au fur et à mesure. Voilà, donc normalement vous voyez plutôt pas mal ici là, ce que je vais faire. Ça va être un peu compliqué pour moi certains passages de peinture, mais ça devrait le faire quand même. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ça me demandait un peu de temps d'adaptation, mais bon, tout doucement, ça va le faire. Donc j'utilise des couleurs assez foncées au démarrage parce que c'est plus facile d'aller chercher la lumière une fois qu'on a posé les ombres que l'inverse. Parce que naturellement les zones de lumière sont les plus accessibles et tout ça, donc déjà on se fait quand même moins chier. Et puis deuxièmement, je trouve que c'est plus facile de marquer avec une peinture claire sur une peinture foncée que l'inverse. Parce que la peinture claire, il suffit de répétition et ça va le faire. La peinture foncée... parfois ça modifie un peu la saturation et tout ça, donc ça devient un peu bizarre. Enfin bon, je saurais pas vous dire, il y a un petit peu de feeling aussi peut-être là-dedans, un peu de superstition, mais globalement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de partir du foncé pour aller au clair plutôt que l'inverse. Donc du coup, je prends régulièrement ce genre de couleur. Donc là, je vais pas m'embêter, il y a certains détails là sur ce pantalon, notamment des protections au niveau des genoux, etc. Je vais pas les faire d'une couleur différente, je vais tout faire de la même couleur, un bon jean classique des familles, comme on dit. Il y a tout un tas de façons de faire des jeans, d'ailleurs, là je vais vous montrer cette technique, mais il y a plein de façons de faire. On peut partir sur des couleurs très désaturées, c'est-à-dire qui tirent vers le gris, ou au contraire partir sur des trucs un peu pétants. Mais globalement, un jean, vaut mieux rester quand même sur des couleurs assez désaturées, qui tirent vers le gris. Parce que c'est quand même plus, comment dirais-je, le... plus comme ça que les jeans sont représentés, même s'il y a toutes sortes de... alors que je garde bien le truc dans la caméra, même s'il y a toutes sortes de positions, enfin de positions, d'accord, de couleurs, de jeans, généralement ils sont quand même un peu plus grisâtres. Donc là c'est comme pour la peau, on se prend pas la tête, on base intégralement la figurine, enfin le jean de la figurine avec cette couleur. Il y a peut-être des moments, encore une fois, où je vais sortir de la caméra pour aller chercher notamment les zones les plus planqués, comme par exemple derrière ce truc là, voilà. Tac, voilà, globalement
Ça a l'air d'être à peu près correct. Je vais faire un petit check. Ah non, ici, en dessous. Je l'ai pas fait. Ici, derrière aussi. Hop. Devant, ça manque un petit peu. Et ma foi, c'est pas trop mal, là, je crois. Un petit peu sur son genou, là, devant, et pas super bien marqué. Bon, après, c'est normal. Je fais toujours quand même des bases relativement bien diluées. J'aime pas forcément... attaquer avec des gros pâtés, quoi, c'est pas le top. Ça, faut faire assez attention quand vous faites une figurine. Il vaut mieux, même il va falloir de toute façon, quand vous voulez faire une figurine de bonne qualité, enfin avec une très bonne peinture, pour ce qui est des premières bases, etc., suite à une sous-couche, vous n'avez pas le choix, il va falloir passer un certain nombre de couches pour que ce soit. Je vais y arriver. Pour que ce soit bien net, que ce soit bien lisse, bien propre. Donc il faut pas essayer d'appliquer. Vous voyez, elle est très liquide. Il faut pas essayer d'appliquer une base en se disant ouais, je vais pas trop la diluer pour que ça marque bien. Parce que si vous faites ça, vous risquez d'empâter la figurine, de masquer des détails, notamment quand vous avez des petites zones comme le visage ici. Voilà, si, dès que vous allez attaquer avec une peinture un peu épaisse, vous allez tout de suite malheureusement couvrir des détails, quoi. Alors ça m'ennuie un petit peu parce que c'est long à sécher. C'est un peu long à sécher. Alors si jamais c'est long comme ça, d'habitude j'utilise l'aérographe pour faire sécher la peinture. Mettre quelques sprays d'air dessus histoire que ça sèche, que ça aille plus vite. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, ça marche très bien. Faut pas le mettre trop près de la figurine, faut distance correcte, comme pour une sous-couche, une trentaine de centimètres, c'est bien. Et ça permet de sécher la figurine assez rapidement et de gagner du temps. Bon, là je vais pas le faire, c'est pas très très important. Je vais commencer par venir avec mon fameux bleu. Donc celui de tout à l'heure, hein, c'est le Aldorf Guard Blue. Je sais pas si ça se fait toujours, hein, en Games Workshop. Il y a certaines références que j'arrive plus à trouver, des trucs qui datent de la guerre de 14. Mais globalement, ce bleu, ben voilà, c'est un bleu assez lambda, quoi. Hein, il a rien de spécial, il est pas hyper saturé, il est pas hyper hyper balèze. Et on va s'en servir sur notre jean. Donc tout à l'heure, quand on a fait la peau, enfin tout à l'heure, lors de la dernière vidéo, on a posé nos points de lumière. Cette fois-ci, on va faire à peu près la même chose, mais de façon un peu plus diffuse, parce qu'on utilise une peinture qui est plus, comment dirais-je, qui est moins lumineuse. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc on n'hésite pas cette fois-ci à y aller un peu plus à la barbare. Et à marquer davantage notre figurine que la dernière fois. Donc je vais quand même poser à peu près toutes les lumières comme tout à l'heure, mais voyez, je marque beaucoup plus les choses. Je peux les estomper si j'en ai envie, mais à ce stade c'est pas très grave. Encore une fois, ce qui est important, c'est surtout de bien poser la lumière. Vous voyez, ici au-dessus de son cul, faut marquer, quoi, faut marquer les volumes. Et on va comme ça poser sur l'ensemble de la figurine. On va faire tous les volumes comme ça. Donc c'est à peu près le même principe, comme je vous ai dit, que pour la peau. À ceci près que là, on est un peu plus généreux. Sur la peau, on était vraiment limité, on n'allait pas loin. Parce qu'encore une fois, ben, c'était une lumière assez intense, donc il fallait pas non plus aller jusqu'en bas de la peau, quoi, on va dire. Donc c'est pas mal parce que ça me permet à la fois de vous montrer que ce genre de technique, bah, ça s'applique un peu sur tous différents styles de texture. Mais aussi comment on l'applique sous différents niveaux, quoi. Parce qu'encore une fois, tout à l'heure, c'était limité.
Donc mine de rien, on va quand même être encore un peu plus généreux dans la position de nos lumières, parce que ça va quand même constituer une bonne moitié de notre lumière, ce fameux bleu là. Donc faut vraiment pas hésiter à y aller. J'ai du mal à savoir si, en regardant un peu là, si le retour caméra est correct ou pas. J'espère qu'au niveau des couleurs, vous voyez bien, que ça soit pas trop saturé. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est un petit peu brillant à cause de la lumière. Ça, c'est peut-être un problème que je vais devoir résoudre. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont un peu calées en technique, tout ça, de vidéos, et qui ont des conseils à me fournir, je suis plus que preneur, parce que moi j'y connais absolument rien, donc c'est très très amateuriste ce que je fais. C'est vraiment en mode je découvre et je fais les vidéos en même temps, quoi. Voilà. Pour certaines zones comme ça, je suis obligé parfois de sortir de la caméra. J'essaie quand même de vous montrer l'essentiel, mais il y a des fois des trucs. C'est impossible pour moi de peindre et de vous filmer en même temps. C'est beaucoup trop. Comment dirais-je C'est beaucoup trop difficile. Déjà, j'ai du mal à parler, à peindre en même temps. Alors vous imaginez, là je suis en train à la fois d'essayer de vous expliquer ce que je fais, à la fois d'avoir le cadre, enfin la peinture bien cadrée, et en même temps de peindre correctement, ce qui est vraiment pas facile, quoi. Mais bon, c'est sympa comme exercice. Alors vous voyez, j'y vais un peu à la barbare, hein. Je mets des coups de pinceau vraiment, vraiment bourrin. C'est juste que j'y vais avec une peinture assez légère en fait. Elle est assez peu balèze, elle est bien diluée, donc elle marque pas trop, et en plus elle est dans la continuité de la teinte qu'on a utilisée en dessous, donc on n'est vraiment pas choqué de quoi que ce soit, même si on a des petits coups de pinceau, tout ça c'est moins choquant que sur que si on avait, je sais pas moi, si on attaquait avec une couleur très claire ou avec une couleur différente. Parce qu'on peut aussi s'amuser, faut s'imaginer que bon là on a fait un jean, ok, on n'utilise que du bleu. Mais ça c'est vraiment le béaba, quoi. Quand on commence à s'amuser un peu avec la couleur, on peut aller un petit peu plus loin. Donc là j'utilisais ça, du 4 Guerre Blue. Globalement c'est la même mais avec du blanc dedans. Tiens. Il est vraiment dégueulasse, faut que je le mélange un peu. Bon, il reste dégueulasse, mais c'est pas grave, ça devrait le faire quand même. Vous voyez, c'est le même, mais en plus clair. Donc on va continuer. Toujours pareil, mais on réduit un petit peu plus. Donc cette fois-ci, vous devriez voir un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de lumière qui se dessine. Alors c'est un peu chiant, parce que avec l'humidité, vous voyez peut-être pas super bien, il y a beaucoup de reflets qui se forment, mais vous voyez à peu près où se pose la peinture. Donc là encore une fois j'y vais plus succinctement, je fais toujours les mêmes endroits, c'est toujours la lumière est toujours située sur le même coin, mais je réduis ma zone, quoi. J'y vais petit à petit. Tout à l'heure, je partais à peu près de la moitié de la cuisse jusque là. Là, je réduis un peu, quoi. De toute façon, c'est pas sorcier. Plus vous allez chercher de la lumière claire, plus vous allez réduire votre zone d'application, quoi. Jusqu'à à la fin, vous pouvez faire des petits points de blanc que vous allez faire au tout riquiqui, tout minuscule, quoi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je fais ce travail de lumière, putain, j'ai du mal, voilà, là je suis bien. Quand je fais ce travail de pose de lumière,
j'ignore absolument tous les détails. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est pli de pantalon, etc. C'est, il faut l'ignorer au démarrage parce que c'est des petits trucs qui sont faciles à traiter en fait. Parce que c'est des détails physiques, ils sont lisibles. Le pli a déjà été sculpté, etc. Donc, ils sont là. On va pas les oublier, on les fera plus tard. Avec des petits glacis, des petits machins, des petits lavis, tout ça. Par contre, tout ce qui est position de la lumière sur le personnage, ça par contre, vaut mieux l'attaquer direct parce que c'est le plus important, je dirais, quoi. Si vous n'avez pas cette lumière globale sur la figurine, comme on est en train de la faire, même si vous avez fait des jolis détails avec des beaux plis et tout ça, bah votre figurine, elle va pas être super. Elle va pas avoir un bon rendu parce que elle va être difficile à lire, en fait. L'esprit va se dire « Ouais, je comprends rien, quoi. Ça a l'air tout plat, cette histoire. Ça m'intéresse pas trop. » Par contre, quand vous avez des belles lumières et tout, là, c'est très très agréable, quoi. Je suis en train de me rendre compte que cette peinture marque pas beaucoup. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. C'est pas super super, mais bon, c'est pas grave. Ma foi, on fera autrement la prochaine fois. Donc ça, vous voyez, ça prend encore forme. Hein. Je sais pas si on commence à voir un petit peu que ça se dessine. Je crois que c'est le côté zoom sur la caméra qui est pas ouf. Je vais faire une petite pause, je vais voir si ça rend bien la vidéo. Parce que ça m'inquiète pas mal. Si ça rend bien, je continue. Si ça rend pas bien, je change le réglage. A tout de suite. Voilà, donc on était à peu près 15 minutes de vidéo. J'ai modifié légèrement la caméra pour que ce soit un peu plus lisible pour vous. Et on est reparti de plus belle. J'ai décidé que la lumière allait provenir légèrement du côté gauche de la figurine, par ici. C'est pour ça que j'ai un peu accentué la lumière sur le haut du front, sur ce côté-là, etc. Et que je vais globalement un peu plus pousser la lumière sur tout ce qui provient de la gauche. C'est quelque chose d'assez léger, je vais pas y aller comme un gros bourrin, mais je vais essayer quand même de le faire. Généralement, j'aime bien choisir une petite inclinaison gauche-droite, je le faisais pas avant. C'est Nico Désé qui m'a un excellent peintre de Little Demon Studio. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est très très intéressant. Et donc c'est lui qui m'a suggéré plusieurs fois de choisir des orientations pour la lumière haute que simplement du zénithal. En général, c'est pas compliqué du tout. Et ça offre quand même quelque chose d'assez sympa. Donc j'ai rajouté du blanc là carrément dans ma peinture, histoire d'accélérer un peu les choses. Puisqu'encore une fois, je suis quelqu'un qui est très peu patient. Et vous voyez, c'est histoire de tout de suite rajouter de la lumière en fait. Hein. J'aime pas attendre, j'aime pas que les choses soient lentes. Faut que ça avance. Donc pour faire avancer les choses, généralement, je suis assez bourrin. Vous voyez, je fais comme avec la peau, je pose ma lumière, je viens légèrement l'estomper et ça va sombre. Hein. Il n'y a pas. Comme je le dis à chaque fois, après c'est le temps que vous allez décider de passer sur la figurine qui va faire qu'elle sera jolie ou pas. Plus vous allez y passer du temps, plus elle sera jolie, mais la technique reste la même. Je pose bien mes lumières. Vous voyez, on voit tout de suite le jean qui apparaît en fait. Il était légèrement presque absent en fait. Quand on regardait jusqu'à avant. Et puis là, bah, simplement de rajouter un peu de couleur, un peu de truc, bah, tout doucement il apparaît ce jean quoi. Alors comment on fond une peinture, vous allez me dire, parce que peut-être
peut-être vous êtes en galère là-dessus. Ce qui est important, c'est de venir attaquer avec une peinture pas trop pâteuse, quoi. Faut que votre... Enfin, même pas là-dessus, je dis ça, mais les trois quarts du temps, je fais même pas attention à l'état du pot de peinture. Ce qui est important, c'est que c'est votre pinceau, plus que la peinture. En ce qui me concerne, pour la dilution, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est plutôt l'état de mon pinceau que l'état de ma peinture. Pour vous expliquer brièvement, le pinceau, lui, il faut utiliser un pinceau qui n'est pas trop petit. Ici, par exemple, vous voyez, mon pinceau, il est quand même assez petit. C'est un taille 0, donc c'est relativement petit. Et je pourrais faire exactement la même chose avec un pinceau taille 1. Là, c'est un pinceau taille 1. Vous voyez, à côté de mon doigt. Parce que la pointe, en fait, reste relativement la même. L'avantage avec un pinceau taille 2, c'est qu'il a un gros réservoir. Et ce réservoir, vous pouvez le garder humide. Donc je peux prendre la peinture avec. J'en prends juste sur la pointe. Ça sert à rien d'en mettre plus loin que la pointe, hein, puisque de toute façon, on va servir que de la pointe. Je viens en essuyer un petit peu là, parce que j'en ai trop par rapport à la zone que je vais travailler. Et j'ai pas besoin, en fait, de diluer quoi que ce soit. Je vais venir poser ma peinture à l'endroit que je veux. Par exemple, ici, là. Vous voyez, je pose ma peinture. Et mettons que là, j'en ai assez. Globalement, c'est à peu près la surface que je veux colorer. Je viens nettoyer mon pinceau. Donc, soit avec votre bouche, soit avec votre sopalin, ce que vous voulez. Et en fait, avec un pinceau sans peinture, mais toujours humide, parce que le réservoir, il reste humide, bah, j'ai juste, vous voyez, à faire des petits... À frotter, en fait, légèrement avec ma pointe, dans le sens que je veux, pour venir éventuellement tirer ma peinture vers le bas, la monter vers le haut, etc. En gros, en fait, la peinture, on vient la poser, et ensuite, avec un pinceau humide, on vient la travailler. C'est un peu comme ça qu'on doit essayer de fonctionner, globalement. Ça ne nécessite pas d'avoir une humidité particulière, une dilution particulière de la peinture. Hein. C'est... La peinture, moi, je la touche quasiment jamais. Sauf des fois quand je vraiment... ici, par exemple, vous voyez sur les fesses que je suis en train de faire, je vous dis « voyez », mais vous voyez pas. En fait, cette peinture que j'étais en train de faire était déjà bien posée. Donc ce que je voulais, c'est juste fondre un peu la présence de cette peinture. Donc c'est là où je vais venir avec une peinture diluée. L'idée n'étant pas de faciliter le travail quand on va diluer une peinture, mais simplement quand on la dilue, la peinture, elle marque moins. Parce que ben, forcément, il y a moins de pigments par rapport à la matière que vous déposez sur la figurine. Donc c'est juste, ça sert juste à ça, la dilution. Ça sert pas à... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, la dilution de la peinture, ça m'a jamais servi pour faire des dégradés ou ce genre de choses. Ça, généralement, les dégradés, tu les fais sur le fil, quoi. C'est-à-dire en la posant sur la figurine. Là, je vais vraiment y aller comme un gros bourrin sur son... Désolé, hein, j'ai encore galéré là à vous faire. Et pour vous dire, là, j'ai posé des énormes pâtés, d'accord? Donc là, j'ai essuyé mon pinceau. Et je vais pouvoir venir nettoyer. Bon, là, j'en ai mis trop, donc je viens rajouter de l'eau pour, vous voyez, carrément en enlever. Je vais encore en enlever, puisque là, en plus, j'ai dépassé au-dessus, j'ai fait le dégueulasse. Mais en fait, ça sert absolument... Enfin, ça peut, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres techniques, mais en ce qui me concerne, ça ne me sert à rien d'avoir une peinture diluée ou pas sur ma palette. Hein. Ça change absolument rien. Voilà, donc... C'est comme pour la peau, après... encore une fois, c'est le temps passé sur le jean qui va vraiment définir le... si c'est joli ou pas. Là, je viens carrément avec du blanc faire des points de lumière, notamment par exemple sur le genou. Là, je suis obligé un peu de sortir du cadre parce que sinon je galère à les poser. Mais alors, je réduis un petit peu peut-être la lumière pour que vous voyez un petit peu plus en contraste. Voilà, l'idée c'est de poser ces points de lumière ici, un petit peu partout. Insister encore une fois sur
sur les zones qui doivent être boostées. Notamment ici, ça, je suis en train de faire sa hanche là. C'est une zone importante puisque c'est une demoiselle, voilà, elle est censée avoir un jean, censée avoir des formes et tout ça, donc faut que ce soit quand même assez mis en valeur, quoi. On peut pas se contenter de faire d'un truc classique. Donc là, j'insiste un peu sur sa, sur la forme de sa fesse au niveau de la sortie là, parce que là, encore une fois, c'est pour rappeler que la lumière vient de ce côté là-bas en fait. Parce que là d'ici, elle vient de sa droite, donc nous notre gauche, mais quand vous la retournez, c'est l'inverse. Donc du coup, il faut essayer de reprendre cette idée de lumière. Je vais faire un peu pareil ici. Vous me direz peut-être que c'est pas logique, parce qu'il y a son bras qui est sur le chemin, etc. Et j'ai appris à essayer d'ignorer ce genre de choses, parce que c'est pas forcément pertinent pour une figurine, pour de la peinture de figurine. Ça peut l'être à un certain niveau et tout ça, mais j'ai pas encore le level de faire des sources de lumière comme ça, avec des ombres, en reprenant les éléments de la figurine et tout, c'est quelque chose de très très compliqué. J'essaie déjà de poser correctement ce genre de choses. Alors, hop. Donc là, je continue toujours sur ces zones les plus importantes. Ici aussi, c'est des zones importantes. Je vais encore une fois fondre un peu tout ça. Et quand c'est pas super bien fondu comme ça, je peux revenir avec ma peinture intermédiaire et venir un peu gommer tout ça. Parce que mine de rien, quand vous avez quand vous posez votre peinture et qu'il y en a pas trop, qui a la juste quantité, parce que ça c'est par contre c'est vraiment important, la dilution c'est pas tant important, mais la juste quantité c'est très important. Et ben quand vous avez la juste quantité, vous pouvez venir continuer à la travailler pendant un moment. Vous pouvez venir ajouter des peintures pour faire ce qu'on appelle un travail dans le frais, c'est-à-dire votre peinture n'est pas encore sèche, je viens quand même reprendre un certain nombre d'éléments. Je reprends des couleurs un peu plus sombres si je veux par exemple forcer les ombres au niveau du dessous de son pantalon, parce qu'elle a un peu un pantalon en pâte def, on va dire, donc je viens légèrement reprendre les volumes de, on va dire, pâte def, quoi. Donc ici en dessous, ça doit être légèrement plus sombre, hein. Je viens aussi reprendre ces petits trucs là, espèce de volume, je sais vraiment pas ce que c'est ces trucs, mais c'est une forme assez particulière. Et vous voyez, quand elle est encore sèche comme ça, je peux venir carrément la pousser en fait hors de mon volume. Genre là, j'ai carrément dépassé comme un sagouin, mais c'est pas grave du tout, on peut continuer à la repousser. Et si les traits de lumière, vous voyez, sont vraiment trop importants, notamment ici, et ben je suis juste à revenir avec ma couleur intermédiaire par dessus pour venir la fondre, voire même encore plus avec peut-être la couleur la plus sombre si vraiment vous trouvez que c'est beaucoup trop fort et que vous voulez écraser ce que vous avez fait, quoi. Ça c'est à vous de juger aussi, quoi. Là-dessus, c'est quand même beaucoup d'observations. Au bout d'un moment, la peinture, ça demande aussi à ce que vous vous arrêtiez dans la rue puis que vous regardiez les jeans des gens, quoi. Ça peut faire une bonne excuse, par exemple, vous baladez avec votre copine, vous mettez le cul d'une nana, puis vous lui dites, ben, en fait, je suis en train d'étudier, quoi, tu vois. Bon, en général, ça marche pas très bien, mais ça peut être une piste d'excuse. Alors, je continue à reprendre ces petites traces ici, ces petits machins. On est à combien de vidéos, là? On est quasiment à 30 minutes, déjà. Quasiment à 30 minutes. Donc on va devoir s'arrêter là pour le jean. Donc je pense que vous avez une bonne idée. Le gros avantage des jeans, c'est comme ils sont désaturés, vous pouvez tout à fait éclaircir en fait avec du blanc.
prendre un bleu comme ça et venir l'éclaircir progressivement avec du blanc. Vous n'avez pas besoin d'acheter 36 000 pots de bleu pour faire un jean. Vous pouvez aussi l'assombrir avec du noir, mais vaut mieux éviter. Vaut mieux que dans un jean, les couleurs foncées soient saturées, c'est-à-dire elles ont un bleu assez pétant, et que les couleurs les plus claires soient désaturées, c'est-à-dire qui tirent sur le gris ou le blanc. Parce que quand vous regardez, si vous prenez votre jean, celui que vous portez maintenant, vous allez voir que toutes les parties claires tirent sur le blanc, sur le gris, parce qu'avec les frottements, en fait, vous perdez la matière bleutée qu'il y a sur votre jean. Du coup, assez naturellement, l'éclaircie au blanc, ça marche très bien. Contrairement, par exemple, à d'autres reliefs, comme la peau, etc., qu'on va pas forcément éclaircir avec du blanc, qu'on va essayer de tempérer avec des couleurs chaudes et tout ça. Ça, on essaiera de voir, évidemment, au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour le jean, ça nécessite vraiment pas beaucoup de couleurs. Même là, ces deux pots, là, vous voyez, j'ai deux pots de peinture, là, ces deux-là. Je vais montrer plutôt du dessus, ce sera plus simple pour moi. J'ai deux pots de couleur bleue. Franchement, je vais vous dire, j'ai acheté ces deux-là, mais ça sert absolument à rien. Déjà parce qu'ils sont ultra proches les uns des autres, donc ça n'a aucun intérêt d'acheter deux pots comme ça. Il suffit de prendre le plus foncé, de mettre du blanc dedans, vous avez plus clair. Hein. Donc, et puis ils ont pas de, voilà, ils sont vraiment dans la même veine, dans la même teinte. Il y en a pas un qui tire plus sur le vert que l'autre ou quoi que ce soit. Ça. Donc vraiment un pot de bleu, ça suffit. Éventuellement un bleu plus saturé. Là même j'ai pris du bleu marine foncé, qui est une espèce de bleu qui tire sur le vert. J'ai pris ça, mais franchement vous pouvez prendre autre chose. Hein. Si vous avez, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai d'autre. Je vais avoir peut-être un bleu un peu plus foncé. Voilà, par exemple celui-là, du Prince Auguste Games. Moi c'est du Stormy bleu. Bon, c'est vraiment un bleu très flashy. Ben, vous pouvez attaquer avec ça. Bien que le bleu marine foncé, ce qui est sympa, c'est que c'est assez doux, étant donné que c'est tranché avec du vert, donc c'est assez agréable à l'œil. Mais voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas de peu de recettes miracles. Encore une fois, l'idée n'est pas de forcément que vous achetiez les pots, machin, etc. C'est plutôt d'essayer de comprendre les choses. Et donc là, pour le jean, si vous devez comprendre une chose, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir 36 bleus. Parce que mélanger avec du blanc, ça suffit pour avoir une couleur claire qui fasse le boulot. Voilà, donc encore une fois, je vais poursuivre hors caméra ce jean. Je vais le faire un petit peu plus propre. Et puis, une fois que j'aurai terminé, je vous prendrai la photo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le résultat vidéo sera meilleur que la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas non plus, c'est toujours pris avec plaisir, notamment sur la technique, que ce soit technique de peinture ou technique vidéo d'ailleurs. Et je reprécise encore une fois qu'étant donné que je tourne les vidéos plusieurs vidéos en une seule journée, il me faut un petit peu de temps avant de prendre vos retours en considération. Voilà, désolé pour le dépassement, et puis je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao.